petite énigme du matin. Je pars dans l'aube, mais je ne pars pas à l'aube. Où vais-je ? Bonjour à tous, nous sommes le 13 février. Il est 10h du matin et je pars à côté de Troyes pour livrer mon fameux client qui ne veut pas que je filme ces belles voitures qui viennent de Dubaï. Ça dit, il est très gentil. Ça fait pas trop de contenu tout ça. Alors ce client, j'ai rendez-vous à 17h. Génial. Qui dit rendez-vous à 17h dit bah je vais aller en direction maintenant, là il est 10h, mais j'en ai pas pour 7h de conduite, mais je prends de la marge au cas où il y aurait des problèmes sur la route. Et s'il n'y a pas de problème sur la route, éventuellement il me prendra plutôt dans un monde totalement idyllique et idéal. On est parti pour une nouvelle semaine en sachant qu'il y aura des grèves. 2, peut-être 3 jours, on verra. Allez, c'est parti mes petits kiki. Arrête la drogue. De Dieu. Encore des belles voitures, encore de la belle mécanique. How dare you? Ça fait envie. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, c'était pas des pick-up, c'était des trucs un peu plus sportifs. Hein. Il y avait une BMW M6 ou M6, je sais plus ce qu'on dit. Moi les bagnoles. Une Dodge Challenger et puis une sorte de Chrysler familiale, mais je sentais qu'elle était un peu vénère. Bon, alors, 6h13, on va retourner vers le Havre. On pourra pas être au Havre ce soir, c'est impossible. Quoique, si je voulais, mais bon. C'est moi, super connard. C'est parti les kiki. En route, maestro. Devrais-je dire que c'est bien quelque part, parce que bon, j'ai conduit en sécurité toute la journée, j'ai fait attention au péage, ceci, cela, oui, et j'aurais peut-être pas perdu autant de temps sur la route si j'avais pris l'autoroute. Bon, c'est bien pour mon patron quelque part, on n'a pas payé un seul péage. Et je dors à un quart d'heure de chez moi, j'ai plus de temps pour y aller. En même temps, je vais faire qu'une coupure de 9h. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'est rentable? Le top serait que je puisse rentrer chez moi, mais bon, ça fait un découché en moins pour le patron, mais moi ça me fait un découché en plus à un quart d'heure de chez moi, donc je devrais être satisfait de me dire, ah, je vais gagner plus, mais quelque part, je rentre pas chez moi ce soir, donc. À 15 minutes près, est-ce que je dois être satisfait de ma journée? Je suis dans le doute total. Après ce combat intérieur, ce monologue avec moi-même, il est temps d'aller manger, il est temps de dormir, et il est temps de vous dire à demain. Et je dors à Conche-en-Ouche. J'aime bien ça à côté de chez moi. Conche-en-Ouche. Qui a choisi ce nom? Conche-en-Ouche. Ça ressemble à Cochonou? Conche-en-Ouche. Cochonou. Je suis fatigué. Dodo. Dodo. Bonjour. Mardi matin, on part de Conche-en-Ouche. Direction le Havre, poser et récupérer une boîte pour après une destination inconnue. Nouvelle journée merveilleuse qui s'annonce. Allez, on y va, c'est parti. Le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Vraiment besoin d'argumenter ou de démontrer que voilà, bon, mon statut de monseigneur, etc., tralala, m'accorde certains passe-droits. Bon, comme par exemple avoir ma place 19 TMSC, mais pas que, hein, m'accorde aussi le droit de faire l'équivalent de 2 coupures en attente, histoire de bien me reposer. Je pense que voilà, il n'y a plus grand chose à dire, il n'y a plus grand chose à prouver. C'est quand même marrant, je reviens là-dessus, tout le monde m'appelle monseigneur, messie, etc. Et c'est parti vraiment d'une connerie de truc que je faisais avec Coucouille. C'est parti de là, c'est... c'est presque gênant des fois parce que t'es dans la rue ou t'es sur le port. Bonjour monseigneur, tous les gens ils se retournent et qu'ils parlent comme ça. Ouf, nom de Dieu. Bon, attention, très grande destination aujourd'hui. Tentez le jaloubrifiant. Je vais à Gournay-en-Bray. Oui monsieur, un jour vous aussi, vous allez à Gournay-en-Bray. Avoir des destinations de rêve telles que les miennes. Allez, Gournay-en-Bray, c'est parti. Bon, regardez-moi là. Là, moi. Est-ce que j'ai une tête de borne de renseignement? Non. Je n'ai pas non plus une tête de panneau d'information. Non. Tranquillement en train d'attendre qu'on me charge mon conteneur. Puis là, j'ai un gars qui vient et tout.
Chauffeur routier, hein, attention. Excuse-moi, t'es du Havre? Oui, bien sûr, je suis du Havre. Est-ce que tu sais comment on fait pour prendre des rendez-vous sur les terminaux? Je dis pourquoi? Moi, je suis de Rouen, mais je rebossais plus sur le Havre. Je dis, bah écoute, ça tombe bien, j'ai un affréteur qui recherche toujours des tractionnaires. J'ai travaillé un peu sur Rouen en container. Bon, faut avouer que c'est plus petit, c'est plus compact, plus simple, je sais pas, mais aussi quand même, parce que c'est vraiment réduit à une toute petite zone. Bref, c'est vrai que quand t'arrives au Havre, c'est légèrement compliqué quand tu connais pas du tout ou quand t'es pas formé. Bon, j'ai fait une formation rapide sur le Havre, sur les procédures, sur nanani nanana, etc. Les horaires, qu'est-ce qu'on peut respecter, la marge d'horaire avec le créneau de rendez-vous. Et je lui dis, pour le reste, j'ai aidé comme j'ai pu. Mais pareil, un peu plus tard, en train de faire les papiers, puis un gars il me regarde avec un petit sourire. On est à Saint-Valentin, je suis tout seul, il est tout seul. Ah, tout va bien. C'était pas ça. C'était un abonné. On a papoté un petit peu. Ça a égayé un petit peu la journée. Pour moi, ça a papoté. Allez, c'est parti. Des gens qui disent qu'il y a d'autres gens qui sont nés avec une petite cuillère dans la bouche. Je vais vous donner un exemple qui contrarie totalement ce genre de réputation que certaines personnes peuvent avoir. C'est totalement faux parce que, vous voyez, là, heureux hasard, total hasard même, oserais-je dire. Faut savoir qu'à l'époque, Madame de Fontenay, qui organisait Miss France, Mister France, je crois, tout ça, on croit que cette dame-là a toujours été riche. On croit que cette dame-là a toujours tout eu comme elle voulait en claquant des doigts comme ça? Eh ben non, parce que là je me rends à l'origine de cette personne, à l'origine de Madame de Fontenay, à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est une petite ville au sud-est de Paris, et Sainte-Geneviève-des-Bois, elle était tellement méritante de s'en être sortie que voilà, les gens n'ont pas voulu oublier l'origine de cette personne, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a gravi dans sa vie. À l'époque, c'était pas Madame de Fontenay, c'était Geneviève-des-Bois qui vivait dans la forêt, parmi les petits lapins, les chevreuils. L'origine du nom de Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est en hommage à Madame de Fontenay. Bravo. Rien pour ce soir. Bonne nuit. Oh, c'est petit. Oh, c'est nul. C'est tout ce qu'il y a. Ah, bonjour, mercredi matin. Bonjour aussi les abonnés. Il est temps de parler de quelque chose. Je pense que je suis d'une autre génération et je ne comprends pas tout. Sur les nouveaux réseaux sociaux, TikTok, je m'y suis mis récemment sur TikTok. Bon, j'ai mis des extraits de mes vidéos où je présente les beaux camions. Bon, il y a des vues, hein. Et par contre, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps en faisant mes courses où il y avait un fromage. Petit Louis à côté pêché des bons pères. Puis vous savez, je faisais petit Louis pêché des bons pères, ainsi de suite. Humour, hein, limite, mais humour quand même. Cette vidéo a fait plus de 1000 vues. Alors, quand tu débutes sur TikTok, apparemment, c'est normal, c'est bien. Hein. Et par contre, les camions, beaucoup moins. Alors, j'ai l'impression que plus c'est pourri, moins bien c'est fait, plus on regarde. Je suis d'une autre génération, je ne comprends pas. Déphasé, déconnecté, d'un autre âge. Ce qui est sûr, c'est direction Geneviève au bois, Geneviève des Bois, pardon. Geneviève... Oh, attention, ne confonds pas. Sainte Geneviève des Bois. Pour décharger mes 28 tonnes, je crois que je vais me sentir léger après. Ah, ça va faire du bien, là. Région parisienne, youpi, s'éclate. Chers passagers, bonjour, nous partons en direction de Saint-Quentin dans le Nord. Saint-Quentin, je tiens à signaler que c'est mon premier vol sur Normandie Airlines. Je souhaite tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et je vous signale que nous transportons 25 tonnes de pierres tombales en espérant que cela ne soit pas un signe pour la suite de l'événement. Vous souhaitant un excellent voyage, je vous dis à très vite. Claquement de doigts pour décollage. You.
quel métier formidable. Ce que j'adore le plus dans ce métier, je pense que c'est la liberté. C'est nul. Liberté. Voilà. Qu'est-ce qu'on rigole avec Monsieur Normandie? Nul à chier. Nulachier. C'est incroyable. Bon, j'ai pu trouver une place au niveau du péage à Amiens grâce à Joseph. J'en avais déjà parlé il y a longtemps, mais j'avais trouvé de la place. C'est un modérateur de la chaîne. Un peu avant, j'avais trouvé une place pour une abonnée qui était un petit peu en galère entre Dreux et Chartres. Et puis là, il me trouve une place. Moi, j'appelle ça le karma. Et le karma, c'est beau. Moi, je dis merci au karma. Merci la vie. Rends service à quelqu'un. Sois gentil. Bon, sinon, pour la journée, elle s'est pas trop mal passée. J'ai eu un coup de téléphone décisif tout à l'heure avec... Oh, je vous prépare des trucs. Les trucs tardent à arriver, mais c'est normal. Vous inquiétez pas, mais vous serez pas déçus. En attendant, moi je vous fais des boujoux. Coquinou, à demain. Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, bonjour chers fidèles. On commence la journée avec un bon petit coup de gueule quand même. J'ai passé une nuit de merde. Alors non pas que l'endroit n'était pas désagréable, hein. J'avais un point d'eau, j'avais des toilettes, j'avais tout ce qu'il fallait. Et en plus c'était sécurisé, donc rien à redire. Mais... Le truc c'est que les emplacements pour les poids lourds étaient pleins, les emplacements pour les voitures étaient vides. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à bout d'heure? On n'a pas envie de payer 135€, hein, parce qu'on a dépassé. Parce qu'on est vraiment des inconscients quelque part de dépasser nos heures, hein, lorsque on n'a pas le choix. Et on est aussi des inconscients de pouvoir se garer mal après un péage par exemple. Les routiers sont inconscients. C'est un autre débat. Je trouve ma place sur le parking voiture, donc je prends plusieurs places de voiture, hein, c'est la nuit, on s'en fout, il n'y a personne. Il y avait un camion devant moi, au bout d'un moment il s'en va. Je regarde, je fais, comment il veut faire pour sortir? Il fait une marche arrière, parce qu'il passe pas à l'avant. Alors pour que le camion puisse rentrer, il n'y a pas de problème, il faut pas que le camion puisse sortir. Donc le gars, il a fait une marche arrière, pour reprendre la bretelle des camions avec sa marche arrière, et j'ai entendu un gros crack, donc oui, il a pété une partie de son camion, super. Dans la nuit, un autre camion arrive, puis repart, mais ce coup-là dans le sens avant. Donc je regarde comment il fait au loin et je dis non. Et si. Il a grimpé ses roues sur les petits trottoirs d'environ 40 cm de haut, histoire de bien pourrir les camions, hein, toujours. Oh vous là! Toute sa semaine était comme ça et il retombe après avec des étincelles, donc génial. J'ai passé ma nuit à me demander comment j'allais me sortir de là. La chance que j'avais, c'est que j'étais en 20 pieds. J'ai pris la première option de sortir en marche arrière, en reprenant la bretelle en marche arrière. Oh là 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 là. Pourquoi ils nous aiment pas, les poids lourds? On vous amène tout! On vous amène tout! Ayez un minimum de respect, quand même les aires de repos! Arrêtez avec les guillotines à poids lourds sur les côtés! On va même pas vous demander de nous aimer, mais au moins un minimum de respect, s'il vous plaît! Partons en direction de Saint-Quentin, dans le 02, livré des pierres tombales. Ça, c'est du concret et c'est joyeux. Allez, c'est parti. C'est étrange de tomber dans le genre d'entrepôt, de clients où tu te dis que tout ce qui a trait à ça, en fait, c'est la mort. Ça fait vraiment bizarre. Le business de la mort. C'est... En tout cas, je suis pas mécontent. Hein, j'avais une belle vue avec la ligne SNCF, on serre devant et tout au fond, la magnifique cathédrale de Saint-Quentin. Alors oui, c'est un métier qui fait rêver. C'est un métier où les gens se disent toujours « Ah, c'est des grands voyageurs, les routiers, hein, j'aimerais trop voyager avec eux, faire comme ça, etc. » Mais fais-le! Do it! Rejoins-nous! Just do it! Tu peux le faire! Do it! Et devenir un routier comme nous. Un homme, un barbu, un vrai. Allez, viens! Chut, c'est cadeau. Rien d'impossible. Direction Le Havre. Wow! Je viens de poser ma boîte à Arnal, la boîte vide, hein. Et pour continuer dans les choses plutôt agréables dans ce métier-là, je vais aller chercher donc une boîte en 40 pieds tout de suite chez Progeco pour que demain je puisse la remplir avec du recyclage. Voilà, des vêtements recyclés pour être plus précis. Pierre tombale, recyclage. Puis on se met bien, c'est pas un métier dégueulasse, hein. C'est pas désagréable, c'est différent. Sortez-moi de là! Je veux des grands tours! Je veux des choses intéressantes à faire! Sortez-moi de là! J'en ai marre! Thank you.
d'ail, bonjour. Ah, j'adore le vendre d'ail, surtout quand on part à 10h30 du matin et qu'on se dit qu'on va pas être de retour à la maison avant 20h. Ça me fait extrêmement plaisir, je suis joyeux, je suis content, j'aime mon métier, j'aime le vendredi. J'ai organisé comme ça. Bon, petit live hier soir, donc hier soir on était le 16, je crois, le 16 février. Je suis rentré chez moi, j'avais 2-3 petites bricoles à faire de toute façon. Et puis je m'étais dit, mais pourquoi ne pas faire un petit live pour faire plaisir à mes chers abonnés, n'est-ce pas? Donc c'était un live surprise que je n'avais pas annoncé à l'avance. Et c'est là que c'est intéressant de se dire, quand tu fais des lives, que tu es de l'autre côté du live, hein. Tu es l'acteur du live. En fait, derrière, tout est propre, rangé, etc. Mais tout ce qui n'est pas dans le champ de la caméra, tu as tout ton bordel de fils, de câbles. Et là, tu vois la vraie nature de ce qui se passe sur YouTube. C'est ouf. Bon, fini de blablater. Direction Vernon, chercher du déchet. Oh yeah! Journée extrêmement compliquée, comme vous pouvez le voir. Bah non, vous pouvez pas le voir, mais moi je le sais que vous ne le savez pas encore. Voilà, mon apprêteur, je l'ai appelé, il m'a dit, bah Mathieu, tu vas rentrer directement chez toi, hein, parce que là, pour le Havre, ça va être compliqué aujourd'hui. Malgré que j'ai le temps, hein, pour l'instant, je suis à très peu d'heures de conduite. Il est 15h, retour à la maison, donc j'y suis dans une petite heure. Pour un départ ce matin à 10h, et puis une sieste de 2h pendant que j'étais chargé. C'est lamentable. J'ai honte. Oh. Allez. Direction la maison parce que, bah voilà, rien d'autre à faire aujourd'hui. Quand on vous dit que c'est calme en ce moment, c'est calme, hein. Alors voilà, petite note à mes modérateurs. N'oubliez jamais d'éteindre votre téléphone si vous sentez la fatigue venir, parce que je vous aurai à chaque fois un par un. Vous serez humiliés. Les gens vous reconnaîtront et vous jetteront des pierres, des cailloux. Même des petits cailloux comme ça. Hein ? Tu es celui qui ronfle ! Aujourd'hui dans les Reines de la Tourte, de l'imprévu prévisible. Mathieu doit traverser un village qu'il a l'habitude de traverser dans l'autre sens. Mais malheureusement pour lui, les trottoirs ont changé de côté. Va-t-il y arriver? Alors je sais pas comment je vais faire parce que d'habitude je prends toujours cette ville dans l'autre sens, mais là je le prends dans le sens inverse et je suis un petit peu perdu parce que forcément il y a des trottoirs qui d'habitude sont à gauche et là ils sont à droite. Comment je vais faire? Une semaine qui termine avec du vent dans le micro, bah oui, tant qu'à faire. J'aime bien moi le printemps parce que, oh, c'est pas encore le printemps mais ça va pas tarder, parce que il y a tout qui refleurit, j'ai des jonquilles devant, j'ai tous les petits personnages, j'ai le forsythia qui arrive, tout fleurit, regardez-moi, oh là, je suis envahi. Faut pas que j'oublie parce que y a un week-end sur deux où je ne suis pas entièrement chez moi tout le week-end. Faut que je prenne le jerrycan. On peut aussi recycler les blagues. Faut donc que je prenne mon jerrycan parce que ma cuve à fuel est pratiquement vide, donc je vais faire un petit complément de diesel. Ça marche aussi hein, pour le fuel. En attendant d'avoir ma pompe à chaleur. Bon, sur ce, je vais finir le montage. Et puis je vous dis une bonne semaine. Et au week-end prochain.